September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bonjour à tous, je reviens avec un petit haul action. Donc je vais vous dire les prix au fur et à mesure. C'est vraiment un tout petit haul action. Donc c'est parti, premièrement j'ai repris des sacs poubelles, les garden bags, qui sont de 130 litres, voilà, ce sont des X larges, ça vous, comme vous savez, c'est pour changer mes cochons d'Inde, et donc les grands sacs de jardin d'Humile sac à lanière, 130 litres, sont à 2,49 €, et vous en avez dedans 10. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est très résistant et vous avez des liens comme ceci. Donc 2,49 €. Sans surprise, j'ai repris mes sacs chouchou à la lavande. J'en ai repris deux, j'en ai encore un petit peu. Mais comme à un moment je ne les trouvais plus, j'en ai pris. Ça de mémoire c'est à 1,59 €. Ils sont parfumés à la lavande. Et dans chaque paquet, donc ce sont des 30 litres. Et dans chaque paquet, vous en avez 15. Voilà. Et ils sont vraiment très parfumés. Je les adore. Et ensuite, il ne reste plus que 3 articles. Alors, j'ai pris, je pense que c'est une nouveauté. C'est une robe en taille S36-38. C'est marqué robe femme avec un imprimé. Voilà. Donc, apparemment, il y a des poches. Alors, il y avait soit un peu façon léopard. Alors, je vous montre, je vais sûrement la déballer. Ou soit comme ceci. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu neutre. Ça faisait un petit peu trop... Non, façon panthère. Donc, je me suis dit, non, je vais plutôt prendre ça. Ça passe un peu partout. Et ça, c'était 6,99 €. Donc, on va le déballer en direct. Donc, voilà comment elle se présente. Elle m'a l'air pour du S assez large hein, quand même. Ouais, ça m'a l'air un petit peu large. Pourtant, c'est taille S, c'est assez ample. Pourquoi pas la porter avec une ceinture? Alors, la particularité, c'est que derrière, c'est plus long. Tu essaies de me lever. C'est plus long que devant. Voilà, c'est un peu comme sur la photo. Là, c'est idéal pour cet automne. Et normalement, si j'ai bien vu sur la photo, il y a des petites poches. Voilà, il y a des petites poches ici avec des manches trois quarts à peu près. Par contre, ça taille super grand, hein, moi, je trouve. Hein. C'est assez large hein, quand même. À mon avis, il faut mieux mettre une petite ceinture. Ouais, vous voyez, c'est plus long devant, c'est plus long derrière que devant. Donc ça, pourquoi pas mettre avec une petite ceinture. Moi, pour ma part, je pense la mettre avec des leggings ou avec des collants si je sors. Vous savez, les Dim Up. Donc ça se lave à 30 degrés, pas de séchoir évidemment. Et un fer à repasser assez doux. Hein. Donc ouais, c'est quand même relativement large hein, quand même, moi je trouve. Hein. Taille S. Hein. Ouais, c'est vraiment assez large. Mais c'est joli, voilà, avec les petites manches et à porter plutôt avec des collants, ouais, plutôt qu'avec un leggings. Donc voilà pour ça, je pense que c'est une nouveauté, je n'avais pas vu la dernière fois. Et ensuite, il reste juste 2 produits beauté. Alors j'ai pris une brume Disney, il y en avait plusieurs. Alors c'est une brume nacrée, pailletée, je pense que vous voyez bien. Celle-ci, c'est les princesses, hein, tout simplement. En plus, j'ai senti comme ça, ça sentait super bon. Bon, je ne l'ai pas pchité, mais rien qu'en ouvrant. Bon, je ne vais pas la pchiter maintenant, mais... Alors, j'en ai pris qu'une. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à celle de l'année dernière. Mais ce parfum-ci, je ne suis pas sûre. Alors, j'en ai pris une seule. Hein. J'ai été raisonnable, car j'en ai plein. Vous voyez, c'est un peu pailleté. Donc, je vais la tester ce soir après la douche.
Et celle-ci, c'est la Disney, hein, c'est la marque Disney. Où est-ce que j'ai vu ça? Disney, hein, Disney Princesse, voilà, c'est marqué les princesses. L'année dernière, c'était surtout les mini qu'ils avaient ressorti il n'y a pas très très longtemps. Là, c'est les Disney Princesses. Non, ça n'a pas l'air d'être les mêmes odeurs que l'année dernière. À voir. Ça a l'air d'être une odeur un petit peu orientale. Bon, en général, hein, je vous le dis à chaque fois, les brumes de chez Action, elles tiennent pas très très longtemps, mais elles sont vraiment très belles et pour le prix, franchement, mais j'ai été raisonnable, j'en ai pris une seule. Et celle-ci était alors brume Disney 250 ml à 2,95 €. Voilà, en plus, elle est vraiment très très belle. Sparkling Body Mist et c'est marqué... Alors, j'ai pas mes lunettes. C'est marqué brume corporelle scintillante. Formule végétalienne. Alors, formule végétalienne, je savais pas que ça existait pour une brume. Mais le packaging est sublime. Si vous aimez bien tout ce qui est Disney, eh ben franchement, foncez, il y en avait plusieurs. J'en ai pris qu'une. Voilà. Et ensuite, alors il y avait beaucoup beaucoup de palettes, rayon maquillage. Il y avait beaucoup les palettes, vous savez, celles qui ressemblent à la Huda Beauty, la Dream, celle qui ressemble à la Nude Nude de Huda Beauty, c'est la Dream. Je vous avais fait le crash test sur ma chaîne. Je vous avais fait un œil avec la Huda Beauty, un œil avec celle de chez Action, je ne sais plus dans quel ordre. Je vous ai fait ça il y a bien plus d'un mois. C'est la Dream, je ne sais plus, enfin bref, la Dream, vous voyez, la palette rouge, là par contre, il y en avait beaucoup, ainsi que la palette bleue, celle que j'ai pas mal utilisée dans mes vlogs, avec les fards ronds, là, vous savez, la water, je ne sais plus quoi, là, qui ressemble un peu océan, celle avec le packaging bleu, voilà. Alors, celle-ci, c'est la 511, la Live It Up. J'avais dit que je craquerais plus sur ce style de palette qui ressemble à des anciennes de Make-up Revolution. Mais là, en regardant les couleurs, les violets, c'est tout à fait ce que j'utilise. Les marrons, les oranges et tout. Celui-ci, ça me fait penser à un pêche un peu nacré. Je l'ai quand même prise. Vous avez le nom des teintes derrière. Unique, Dance, Forever, Bold, vous voyez. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? Alors, palette de fard à paupières avec 12 couleurs de fard à paupières à utiliser sec ou humide. Alors, c'est la marque Max & More. C'est le 511 Live It Up. Donc, on va l'ouvrir. Bon, je ne veux pas garder le packaging. Je vous ferai un crash test. Alors, comme je l'ai dit dans mes vlogs, sûrement pendant mes vacances au mois de novembre. Voilà. Pendant la première semaine de novembre. Vous voyez, c'est bien protégé. Par contre, il y en avait plein qui étaient un petit peu déchirés. Hein. Peut-être que c'est en ouvrant les cartons. Hein. Donc, mon mari, il a regardé. Et il en a trouvé une qui n'était pas du tout abîmée. Enfin, elles n'étaient pas abîmées. Hein. C'était juste le carton. Hein. Donc voilà comment elle se présente. On se fera un petit crash test. J'avais dit que j'en achèterais plus de cette gamme-ci car j'en ai pas mal. Je les utilise pas toujours. Je les utilise pas. Alors c'est 12 fois 1,5 g. Et ça c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est à moins de 2 euros. Elle est à 1,98 € pour 12 fards. Franchement, ça vaut vraiment le coup quand même. Hein. C'est la 511 Live It Up. Voilà, la 511 Live It Up. La dernière fois, j'avais vu une autre palette. Il me semble que ce n'était pas celle-ci. Et franchement, elle ne m'attirait pas du tout. Je ne crois pas que c'était celle-ci. Hein. Celle-ci, j'ai flashé littéralement dessus pour ces magnifiques violets. C'est tout à fait mes couleurs. Hein. Donc, celle-ci, hein, je vous ai dit 1,98 € hein, quand même. Hein. Et il y a... 12 fards avec 1,5 g. Normalement, dedans, il y a un pinceau, il me semble. Ouais. Regardez un peu la beauté. Bon, le petit pinceau, pourquoi pas pour mettre ici en point de lumière ou pour utiliser les fards nacrés. C'est bien ce que je pensais. La teinte, là, elle me fait penser un peu à un pêche doré, un peu comme le fard à joues Orgasm de chez NARS.
Vous voyez celui-ci, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, je ne vais pas vous swatcher la palette parce que j'ai mis de la crème. Et de toute façon, on se fera un petit crash test. Alors, vous avez combien de mattes? 1, 2, 3. Vous avez 4 mattes. Je vais vous les montrer. C'est celui-ci qui est un peu taupe. Vous avez celui-ci, un marron idéal pour faire le creux de paupière. Vous avez celui-ci un peu pêche. Et celui-ci un peu marron clair, ça c'est idéal, ces couleurs mates là pour les fards de transition, voilà. Et là cette couleur-ci, dommage vous verrez pas bien, elle n'est pas blanche, vous la voyez presque blanche, mais elle a des reflets dorés verts en penchant un peu. Vous la voyez presque blanche à la caméra, mais je peux vous dire qu'elle est un peu entre le vert et le doré. C'est pour ça, celle-ci, j'ai craqué, hein. Rien que les violets, là, c'est tout à fait mon style. Le doré, c'est tout à fait mes couleurs. Donc, voilà, j'ai pris combien d'articles? J'ai pris 3 sacs poubelles. Super intéressant. J'ai pris que 6 articles, hein. C'est tout ce que j'ai pris. La robe, la palette et la brume. Je suis super contente pour cette brume. Elle a l'air de sentir super bon. Voilà, elle est toute nacrée. Je vais essayer de la mettre demain. Elle est scintillante. Mais à mon avis, peut-être que ça tient. Hein. Je vais tester ce soir. En tout cas, l'odeur. À voir si ça reste. Hein. En général, les brumes corporelles de chez Action ne tiennent pas tellement. Mais franchement, celle-ci, elle m'a vraiment plu. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 de ce que j'ai vu de mon Action. J'ai pris celle-ci, c'est celle-ci qui me plaisait le plus, les princesses. Voilà, et franchement, j'ai l'impression que comparé au Disney, les mini, c'est pas tout à fait la même brume scintillante. Voilà. Donc j'en ai pris qu'une, j'ai été raisonnable. Et j'ai quand même pris cette palette-ci, alors que j'avais dit que j'en prendrais plus des comme ça. Mais franchement, là, les couleurs, elles sont vraiment très très belles, hein. C'est tout à fait mes couleurs. Voilà, mais ça, je vous ferai un petit crash test au mois de novembre hein, pour cette palette-ci pendant ma première semaine de vacances. Voilà, tout simplement. En tout, j'en ai eu pour 17,59 €. L'article le plus cher, c'était la robe à 6,99 €. Voilà. Bon, peut-être à porter avec une ceinture, hein, avec des bottes longues, enfin des grandes bottes plutôt. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ah oui, et surtout quand on achète des vêtements chez Action, ça je me répète encore dans la vidéo, il y a toujours un antivol à découper avant de le laver. D'ailleurs, il va falloir que j'y pense, hein. Vous voyez l'antivol? Je suis pas sûre que vous verrez. Voilà, il y a toujours ça à découper. Non, on verra pas bien avec la Ring Light. Voilà, sinon elle se lave à 30 degrés, hein, pas de séchoir. C'est 97% de polyester, 3% d'élastane. Donc 30 degrés et repassage, j'allais dire à feu doux. Voilà, et surtout bien enlever l'antivol pour pas que ça sonne dans les magasins. Elle a l'air d'être de bonne qualité, elle n'est pas trop trop chaude, mais elle est idéale pour cet automne. Donc, je la mettrai et je vous posterai une petite photo sur Instagram. Voilà, bah écoutez, c'en était tout de mon petit haul Action, hein, vous voyez. Hein. Bon, j'ai pris des choses utiles. Ça, je m'en sers tout le temps hein, pour changer mes cochons d'Inde. Ça, c'est pour la cuisine. Voilà, la robe, elle me plaisait. Actuellement, j'ai envie de renouveler un peu, on va dire, ma garde-robe, hein, mes vêtements. Comme vous avez vu dans mon dernier vlog, d'ailleurs, je le porte là. J'ai acheté un jean noir et un autre pantalon un peu jogging. Donc, ben, je me suis dit, je vais reprendre une petite robe. Voilà, pour changer un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est plus longue derrière que devant. Donc, la coupe est plutôt pas mal. Et il y a des toutes petites poches sur les côtés. Et c'est vraiment une robe de saison. Hein. Là, on peut la porter maintenant. Hein. Voilà, elle n'a pas l'air trop épaisse. Vous voyez les manches, comment elles se présentent. Donc ça, c'est plutôt top. Alors, il y en avait une façon un peu léopard. J'aurais dû vous prendre des photos. Ben, je vais vous inclure des photos. Il y avait beaucoup, beaucoup de déco de Noël. Franchement, c'est super beau.
Je vais faire défiler les photos pendant que je vous parle là. Vous allez voir les décos de Noël, c'est magnifique. Il y avait comme des villages de Noël qui s'allument, je pense. Des grosses boules de Noël, c'était sublime. Il y avait comme un calendrier de l'Avent célébration, j'ai hésité à le prendre. Un calendrier de l'Avent célébration chocolat. Ça, je m'en prendrai un de calendrier de l'Avent chocolat. Ça, c'est un indispensable, hein. Pendant qu'on ouvrira le calendrier de l'Avent The Body Shop, un petit chocolat ce jour-ci, enfin tous les jours. Et j'ai vu l'unboxing du calendrier de l'Avent Max & More, le calendrier make-up. Bon, il y a la fameuse lime à ongles, il y a les petits repousse cuticules en bois, mais il y a quand même des petits produits assez sympas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit taille-crayon, bon, toujours un peu le classique, hein. Donc à voir, là je me suis dit si jamais je le trouve, je le prendrai quand même. Je ne l'ai pas trouvé, par contre il y avait le spa, je crois qu'il était dans la semaine d'action. Ça, le spa, il ne m'intéresse pas du tout, hein. Je l'ai pris deux fois, non, je trouve que les produits, ils sentent presque rien. Tout ce qui est shampoing, tout ça, je trouve que la qualité, elle n'est pas terrible, terrible. Dans le calendrier de l'Avent spa, les sels de bain, ils sentent presque rien, donc... Le spa, je ne vais pas du tout l'acheter. Mais j'aurais dû vous faire plus de photos. Mais il y avait quand même du monde. Il était vers 16h30, 17h à peu près. Il y avait du monde dans le magasin quand même. Donc pour faire des photos. Et j'ai même hésité à vous faire un vlog. Mais là, ce n'était pas possible. Mais je crois néanmoins qu'il est dans le rayon, vous savez, à l'entrée, dans la semaine d'action. Voilà, bah en général, le calendrier de l'Avent beauté Max & More, ils le mettent des fois dans la semaine d'action. Voilà, bon, là, je ne l'ai pas trouvé, mais j'étais prête, je me suis dit, je vais quand même le prendre parce qu'il y a l'air d'y avoir des petites nouveautés assez sympas dans le maquillage. Bon, il y a toujours les fameux petits accessoires un petit peu qu'on retrouve partout, hein, la petite lime à ongles, les repousses cuticules, le taille-crayon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, des choses un peu... qu'on se passerait bien, dont on se passerait bien, mais il y avait d'autres choses, il y avait des petits papiers matifiants. Bon, je ne vais pas vous spoiler plus, mais moi j'ai vu un unboxing, et franchement, je me suis dit, pourquoi pas, si je le trouve, je le prendrai. Donc, pourquoi pas une prochaine fois le prendre. Et ben voilà, je suis très très contente d'avoir craqué sur cette magnifique brume, qui est vraiment très très belle, hein. Vous pouvez même l'exposer dans votre salle de bain ou vers votre coin beauté, tout simplement. Et franchement, cette palette-ci, j'hésitais à la prendre, mais j'ai pas hésité longtemps parce que c'est tout à fait mes couleurs. C'est pour ça qu'on se fera un petit make-up au mois de novembre, hein, début novembre. Si je peux avant, je la ferai, hein. C'est la 511 Live It Up. La dernière fois, non, c'était pas ces couleurs-ci. Là, c'est plus des couleurs automnales. Et au passage, je me suis maquillée avec la Floral Romance. C'est la deuxième fois que je la teste. Vous savez, la grande palette avec des fleurs, là, de Max & More, elle est superbe. Eh bien, écoutez, c'en était tout de mon petit haul Action. Voilà, et pour 6 articles, j'ai encore parlé beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Ah, vous n'aviez pas vu ma... Ah ouais, c'est dommage. La petite bougie, c'était pour essayer de faire une petite déco. Bah, ben, c'est pas grave. Eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.